D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Chers amis, bonjour. Comment vivriez-vous dans un monde où la biodiversité est préservée et où même où l'homme arrive à régénérer la biodiversité? Eh bien, ce monde dans lequel nous vivrions libres, nous allons essayer de l'imaginer et de voir quel est le processus à travers lequel on peut passer d'un stade où on détruit la nature, ses animaux, sa diversité, sa beauté, à un monde qui s'en inspire et qui va le régénérer. On va faire ça aujourd'hui avec Melted Cinema. Bonjour Melted. Bonjour Farzad. Qui vient représenter l'association Arbre. C'est ça, exactement. Melted, c'est quoi la biodiversité déjà, pour qu'on se situe au niveau de la définition? Alors la biodiversité, c'est un mot qui est très très large, ça a beaucoup de sens. La biodiversité, telle que nous on entend au sens, on va dire, scientifique du terme, ça va être vraiment la diversité de l'ensemble des espèces d'un écosystème, que ce soit les plantes, les animaux, à toutes les échelles en fait du règne animal et végétal. C'est très large, ça représente vraiment notre environnement, ce qu'il y a autour de nous, et on en fait partie aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier aussi, qu'on fait partie de cette biodiversité. Quel est l'avantage de la biodiversité? Quel est le bénéfice d'avoir un grand nombre d'espèces qui vivent ensemble? L'avantage, c'est que toute cette diversité, elle a des fonctions dans l'écosystème. C'est ce qui fait que la Terre fonctionne bien, on va dire, entre guillemets. Chacune de ces espèces a un rôle dans cet environnement. Elle va apporter quelque chose, elle va apporter ou prendre, d'ailleurs, quelque chose dans cet environnement qui va faire que notre écosystème va bien fonctionner. Quand il y a un déséquilibre, justement, quand il y a une espèce qui disparaît ou plusieurs espèces qui disparaissent, quand il y a un écosystème entier qui disparaît, on sent qu'il y a un déséquilibre. Il y a des changements dans l'environnement, il y a à la fois des pertes de biodiversité, encore plus que quand on rase une forêt, par exemple, on ne rase pas que les arbres, on enlève aussi toute la biodiversité des insectes, des animaux qui vivent dans cette forêt. Donc c'est un impact qui est énorme. Et ça provoque des déséquilibres aussi au niveau du sol, au niveau du climat. Et donc voilà, ces écosystèmes-là, l'ensemble de cette biodiversité fait qu'on a un équilibre qu'on doit pouvoir préserver aujourd'hui. D'accord. Donc il y a plus d'interactions, les espèces, les animaux s'entraident, il y a plus d'échanges les uns avec les autres. S'il y a une maladie, ils arrivent à trouver des solutions plus rapidement. C'est ça, exactement. Ils sont plus forts, plus résistants, plus résilients. Oui, et puis ils évoluent aussi au fil du temps. Et cette évolution-là, elle apporte de nouvelles fonctionnalités aussi qui sont concordantes les unes avec les autres. Et il y a ce mutualisme qui se crée et qui permet du coup d'avancer, d'évoluer ensemble pour qu'on se sente préservé et pour qu'on puisse avoir un milieu qui se maintient à long terme. Et c'est vrai que quand on voit un arbre à fruits, un cerisier ou un pêcher, on ne se doute pas que c'est une espèce qui est là depuis des millions d'années peut-être, qui a évolué pour devenir arbre à fruits. Oui, alors c'est un peu particulier les arbres à fruits parce qu'ils ont été beaucoup modifiés par l'homme aussi. On parle de la biodiversité. Ou les arbres à fleurs, tout simplement. Oui, ou les arbres à fleurs. Et effectivement, on a cette biodiversité qu'on voit, qui est visuelle par l'homme, puis il y a la biodiversité qu'on ne voit pas, la biodiversité génétique, par exemple. Oh. Et donc ça, c'est dans les gènes de l'espèce. Et par exemple... justement, si on parle des arbres à fruits, c'est un petit peu différent parce que l'homme a eu tendance à créer des variétés homogènes sans variété génétique, justement sans variation génétique, et ce qui fait qu'on peut avoir des pertes aussi de biodiversité génétique qui peut amener à des disparitions d'espèces. On plante un maïs, c'est toujours le même maïs. Exactement. Voilà. Et du coup, toute la biodiversité des maïs qu'il peut y avoir alentour, du coup, elle est perdue. Mmh. Et malgré tout, c'est la biodiversité aussi qui permet aux espèces d'évoluer.
qui permet d'avancer. Et si on a cette homogénéité, on va dire, génétique, très souvent, on a ce qu'on appelle des crashs, en fait, de ces espèces-là, parce qu'il y a peu de diversité. Et donc, s'il y a une maladie qui arrive, il y a plus de chances, en fait, qu'elles disparaissent. Et donc, bon, on a fait le tour de la définition. Maintenant, on se met dans la peau de quelqu'un qui vit dans un monde libre, il vit libre. Et dans ce monde-là, la biodiversité, elle est préservée, elle est même régénérée par l'homme. Ça ressemblerait à quoi un monde comme ça, Melted? C'est, alors aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on voit, c'est quand même très utopique comme monde, vu l'impact que l'homme a sur la biodiversité. Mais il y a des cheminements qui sont possibles justement pour arriver déjà à préserver la biodiversité qui existe aujourd'hui. Mmh. Et c'est là-dessus en fait qu'il faut vraiment accentuer. On n'aura jamais une... Admettons que ce soit possible. Ouais, c'est-à-dire... Oui. On va commencer par l'idéal, l'utopie, comme tu disais. Juste un instant d'utopie, un instant de rêve. Quoi. D'accord. Il faut bien rêver pour aller vers quelque chose. Ouais. Et puis ensuite, on voit le processus. Moi, j'imagine bien un monde, par exemple, dans lequel chaque chose que l'on crée, que ce soit une entreprise, que ce soit un bâtiment, que ce soit un mouvement de l'humain, ça ne se fasse pas sans avoir réfléchi à son interaction avec Mère Nature. Qu'est-ce que je donne à la nature en échange de me déplacer en avion ou en voiture? Ou qu'est-ce que je donne aux poissons en échange de prélever du poisson? Quel bien-être est-ce que j'apporte? Les intégrer comme dans l'Assemblée nationale, comme s'il y avait des chevaux, des animaux, des poissons, comme s'ils avaient la parole, comme s'ils pouvaient dire... Ok, ben là, pour nous, ça va pas. Mmh. Et faudrait changer la loi. J'imaginerais bien ça. C'est-à-dire une loi qui intègre au Parlement, non seulement le Sénat, les députés, mais en plus de ça, les animaux, l'espèce végétale et animale. Ah, c'est sûr que s'ils avaient le don de parole, en tout cas, ils auraient leur mot à dire. Parce que vraiment, c'est aussi un sujet de comme je disais, qu'on sépare l'homme finalement de la biodiversité alors qu'on en fait partie. Et finalement, c'est notre voix qui porte et nos actions qui portent sur l'environnement. Mais si les animaux, les plantes, effectivement, pouvaient parler et pouvaient revendiquer du coup leur positionnement et leur intérêt dans le milieu dans lequel ils vivent, les choses seraient beaucoup plus simples, ça c'est sûr. Et parce qu'on les écouterait, parce qu'ils auraient, ils porteraient une voix qu'on comprendrait nous en tant qu'humains. Et eux-mêmes pourraient nous imposer des choses finalement aussi. Et ce serait parce que là, nous, on leur impose finalement notre mode de fonctionnement, notre société, notre impact environnemental. Mais si c'était eux finalement qui nous l'imposaient. Et c'est un peu ça finalement, avec les maladies qui arrivent, avec le climat, les changements climatiques, etc. Finalement, c'est la nature vie qui impose. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est la réponse de l'environnement aussi à nos actions. Et qui nous dit, là, peut-être qu'on va trop loin. Donc il faudrait se calmer un petit peu, essayer de reprendre des bases pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Oui, c'est ça. Donc tu l'imagines comme ça aussi, ce monde idéal. On peut parler avec les animaux. C'est ça. Revenons sur Terre. Comme dans les films, des dessins animés. Exactement, Marcelino. Où on chante avec les oiseaux. Et... Là où la princesse, elle arrive. Voilà. Exactement. Viens là, ma petite souris, au lieu de lui foutre du mort au rat. Exactement, ouais. Viens participer à la biodiversité. C'est ça. C'est bon d'en rigoler quand même. Oui, il vaut mieux. En plein milieu de... De l'inverse. C'est ça. Ah, c'est bon de rêver. Moi, j'imagine bien ça. Déjà qu'on a du mal à se parler entre humains. Je veux dire, un humain qui se dit valide n'arrive même pas à écouter un invalide, se croyant plus fort, plus haut, plus grand, plus riche. Mais alors, de là à comprendre un animal qui n'a pas le don du langage comme lui... Et qui pourtant est mangé tous les jours à table, qui est pêché, chassé de son habitat, qui est élevé pour être mangé. Donc il y a un chemin à faire. Il y a un chemin à faire et il commence par le respect. Je pense aussi
de notre environnement. Déjà, avoir un regard qui impose le respect face à ce qui nous entoure, déjà, ça pose une situation que très peu, enfin, qu'aujourd'hui, peu de personnes ont encore, alors qu'on devrait tous aujourd'hui, avec ce qu'on sait aujourd'hui de ce que nous apporte la nature et de l'importance qu'elle a, regarder la nature avec bienveillance, avec respect, avec une certaine émotion aussi, parfois, ben déjà, ça change notre regard et ça va changer forcément nos actions envers la biodiversité. Et donc, ce serait de changer de regard. Mais alors, pour arriver à ce monde idéal, on aura changé de regard. Mais quel est le regard qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a modifié dans notre regard? Bon, j'imagine que les déclics, ça a été les catastrophes naturelles, les pandémies, etc. Il y a eu des questionnements qui se sont posés, et tout à coup, on a changé de regard. Mais quel regard on a opté? Pour quel point de vue? Je pense que le regard, il peut changer quand on a compris ce que nous apporte la nature. Moi, par exemple, ça c'est très personnel, mais mon regard, il a changé à partir du moment où je me suis baladée en montagne et je me suis posée et qu'à un moment donné, je me suis rendue compte que l'environnement qui m'entourait m'apportait une certaine forme de bien-être. Et ça, du coup, c'est à partir du moment où on comprend que l'environnement nous fait du bien. Que croiser un animal qui passe nous apporte une émotion positive, que de sentir les feuilles d'un arbre nous apporte voilà une sensation agréable. Tout ça, c'est des choses en fait qui peuvent nous permettre de changer notre regard, de changer notre perception à l'environnement, parce que ça nous apporte quelque chose et que c'est quelque chose qu'on a envie de repartager aussi derrière. On a envie de le partager avec notre entourage qui est là aujourd'hui, mais peut-être aussi avec nos enfants, nos futurs enfants, et on aimerait que nos futurs petits-enfants puissent en bénéficier aussi de cet Donc ton idée, ce serait environnement-là. d'avoir du plaisir avec la nature, Oui, complètement, c'est de de. sentir la nature, de la toucher, de vouloir y revenir, C'est ça. d'être curieux, d'en savoir plus et d'inviter les autres à venir vivre la même expérience. Oui, il y a une phase de compréhension aussi, effectivement, d'acquisition de connaissances sur l'environnement qui nous entoure, l'environnement proche, hein, ça peut être un jardin qu'on a chez soi et qu'on voudrait comprendre, les plantes qu'on a, savoir quelles plantes on a dans notre jardin. Et sentir que ça nous fait du bien, en Et fait, voilà, exactement. d'être avec. Exactement, oui. Et que ça nous porte tort d'être séparés de la nature. Oui, c'est ça. Et puis, enfin, c'est un fait, en fait, hein, scientifique. Il y a eu des études qui ont été montrées, enfin, des études sociologiques qui montrent que, à tout âge, des enfants, des adultes qu'on mettrait dans la nature, ça leur apporte un bien-être. Et que ces personnes, si elles n'ont pas été mises à un moment donné disons, des endroits où la nature était très présente, et ben du coup, leur sensibilité à l'environnement ou même leur, comment dire, leur savoir-être aussi et moins associé à la À la nature nature. et à l'environnement. Oui, il est Et plus donc, du associé aux coup, séries télé, aux dessins c'est animés, la pizza de ça. fin de Voilà. semaine, le gros film qu'on va regarder avec les Mais il y a parents. un vrai effet positif, en tout cas, de la nature, de la connexion à la nature et un bien-être, Par où on vraiment, qui était commence là, montré. par exemple? À La Réunion, on arrête nos pique-niques, on va dans la nature, on mange pas, on boit pas, Si, on arrête on l'alcool. peut très bien manger et profiter. On fume pas, parce que quand on Voilà. fume, ça bloque nos sensations, du goût et de l'odorat pour sentir la nature. On peut pas forcément tout arrêter, Ouais. effectivement, mais on peut en tout cas essayer de prendre du temps pour ça. Et déjà, ne serait-ce que ça, prendre du temps pour aller dans la nature, c'est déjà quelque chose pour moi qui est important. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à La Réunion, par exemple, qui ne vont pas à la montagne, qui ne vont pas profiter de la nature, qui ne vont pas aller dans les sentiers, soit parce qu'ils vont se dire que c'est trop difficile, ou parce que c'est trop loin, ou parce que ils Parce qu'il y a un préfèrent film faire à autre la chose. télé, Voilà, ou parce qu'ils préfèrent. on est là avec toute Mais. Ouais. notre masse là posée sur le canapé, C'est ça. Mais il n'y a en pas besoin regardant de faire Zap comme ça, là, il n'y a d'efforts. rien, il y a quoi? La guerre, la guerre, la guerre. Ah mais si j'allais dans la forêt.
Ouais, du coup, il faudrait avoir l'idée. Parce qu'il Ouais. n'y a même pas l'idée dans la télé. Allons dans la forêt, les amis. Allons juste pour rien faire, juste pour marcher, juste pour faire un câlin à l'arbre. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est ça aussi peut-être que les gens qui fait que les gens ont de l'appréhension, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un effort physique pour aller dans la nature, surtout à La Réunion, où on a quand même des environnements de forêt qui sont très proches des villes de façon très accessible. Donc, c'est se prendre ce temps-là, et des petits, en fait, hein, avec les enfants, pouvoir les amener dans la nature. Dans l'association, il y a des projets d'éducation environnementale qui montrent vraiment que voilà, les enfants sont ravis d'être en forêt, d'être en nature, de profiter, de regarder ce qu'il y a autour d'eux, de s'émerveiller aussi de ce qu'il y a dans l'environnement. Et ça leur apporte vraiment quelque chose de très positif et ils sont ravis. Et voilà, c'est à La Réunion, en plus, on a un environnement qui est propice à ça. On n'est pas comme une grosse ville métropolitaine où vraiment il faut faire 3 heures de voiture pour aller dans la première forêt proche de chez soi. À La Réunion, on a cette chance-là de pouvoir avoir cette nature qui est encore très préservée Et dis-moi, et d'en profiter. Melfide, il y a vous concrètement, vous avez commencé à faire ça dans votre association Arbre Ouais. avec Estelle et les autres, Ouais. Antonin. Ouais. Qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en place? Parce que tout ce que tu nous dis là, c'est pas que du rêve, c'est des choses que vous avez déjà initiées et les gens peuvent vous rejoindre autour de Ah ça. oui, complètement. Dans l'association, on a plusieurs projets en fait, et on a aussi ce qu'on appelle des projets de science participative. C'est-à-dire que du coup, n'importe quelle personne en fait peut participer à ces projets-là. Par exemple, on a un projet sur les platelminthes, qui sont des petits vers plats qu'on peut trouver soit en milieu terrestre ou aquatique, qui est porté par Amandine Marie dans l'association. Et du coup, elle fait des travaux de recherche pour acquérir de la connaissance en fait sur ces vers parce qu'ils sont très très peu connus. Et donc du coup, elle a sollicité via les réseaux Facebook pour demander aux gens en fait de regarder dans leur jardin, en forêt, etc., s'ils ne trouvaient pas ces petits platelminthes d'en prendre une photo et de lui envoyer pour pouvoir participer justement à l'acquisition de cette connaissance. Et puis s'ils pouvaient, de récolter l'échantillon pour qu'on puisse faire des analyses génétiques derrière et déterminer les espèces qu'il y a, parce que c'est des Tu nous en espèces qui sont montreras un très peu jour des connues. photos? Oui, carrément, avec D'accord. plaisir. Si tu reviendras. Et Et donc oui, et ouais. donc tu as et donc vous avez amené les gens à regarder ça, des enfants. C'est ça, et donc du coup, bah, après, c'est des gens qui nous envoient des photos, qui peuvent envoyer des commentaires sur où ils les ont trouvés, etc., ou qui envoient des échantillons directement. Et du coup, à partir de là, on peut faire des recherches là-dessus. Après, le projet d'Antonin, par exemple, typiquement, qui est en milieu Ouais, lui marin, il nage avec les requins. Il voilà. ressemble à un requin d'ailleurs. Et Salut les Antonin, raies. si tu nous entends. Pas que les requins d'ailleurs. Les Lui, raies. voilà, les raies, c'est vraiment un groupe, donc ça s'appelle les élasmobranches, donc c'est raies et requins. Et donc là, c'est pareil, on parle beaucoup du requin, mais en fait, finalement, on a très peu de connaissances et très peu d'observations sur les requins qu'il y a alentour dans l'océan Indien, en tout cas au niveau de l'archipel des Mascareignes, et sur les raies aussi, surtout, qui sont finalement très peu connues, les espèces de raies. Donc il y a plusieurs sorties bateaux qui sont organisées pour aller plonger en mer, pour aller essayer d'observer du coup les espèces qu'il y a, et on sollicite là encore les pêcheurs, des plongeurs qui vont en mer aussi régulièrement pour nous reporter ces observations-là et qui peuvent du coup se connecter à un site et reporter en fait leurs informations directement sur le site en disant voilà, on a vu telle espèce à tel endroit, ce qui permet d'acquérir de la connaissance aussi sur la présence, absence de ces espèces dans ce milieu. D'accord. Quelles autres expériences vous avez eues pour changer de regard et inviter les gens à aller plus dans la nature? Bah alors, nous, on a aussi des projets d'éducation environnementale, donc on va dans les écoles aussi pour sensibiliser à l'écologie, à l'environnement. C'est triste à dire, mais en fait, en école primaire, par exemple, on parle très peu de l'environnement de La Réunion, alors que on est patrimoine mondial de l'UNESCO, que les cirques et remparts sont protégés, qu'il y a beaucoup de statuts de protection, en fait. On est quand même un point chaud de biodiversité à La Réunion. Et donc du coup, finalement, les enfants, ils ont très peu de connaissances sur leur environnement. Ils vont très peu en forêt, ils ne sont pas ça dans leur programme d'enseignement. Et donc du coup, on essaye aussi de créer des projets
qui les amène en fait justement à se connecter à leur environnement et à connaître un petit peu plus sur les forêts de La Réunion ou les espèces aussi de La Réunion. Et donc du coup, il y a des projets qui ont été mis en place, soit pour les initier aux plantes endémiques et indigènes, comme ça a été fait par Raphaël Carlier, en fait aussi qui est membre de l'association et qui du coup a fait avec le collège de la Chatoire au Tampon un projet de restauration d'une friche et ensuite une replantation de plantes endémiques et indigènes. Mmh. Et puis d'autres projets comme le projet Tilamp que je porte en école primaire où là c'est une initiation à l'écologie et à la biodiversité. Et du coup, on parle biodiversité, on parle de la nature, on parle de la connexion à la nature aussi. Comment t'en parles aux enfants à cette étape-là de leur vie? Ils ont quel âge? Comment Alors, tu leur en parles? Moi, j'ai commencé sur les CP-CE1 jusqu'au CM2. On ne leur parle pas en termes scientifiques, bien évidemment. Le but, ce n'est pas d'apprendre le nom des espèces par cœur, parce qu'à cet âge-là, ça ne les intéresse pas. Le but, c'est d'attiser leur curiosité, de leur donner des anecdotes, de leur expliquer comment fonctionne une forêt. Quoi une forêt? Moi aussi, je préfère ça. Voilà. C'est quoi une forêt, déjà? En quoi ça consiste, une forêt? C'est déjà la base, finalement. C'est quoi une espèce? C'est quoi un écosystème? C'est quoi la biodiversité? Il faut comprendre déjà de quoi on parle avant de s'engager pour la protection de la biodiversité et comprendre pourquoi il faut la protéger aussi. Ils arrivent à comprendre, comment tu leur expliques, toi? Alors moi, je leur explique avec des mots simples, en essayant de leur faire... en leur posant en fait à eux plutôt des questions, plutôt que ce soit eux qui me posent des questions. Ah ouais. Et en fait, je leur demande en fait ce que ça leur fait d'être en forêt, je leur demande en fait quelles sensations ils ont, comment ils trouvent cet arbre, est-ce qu'ils le trouvent beau, est-ce qu'ils le trouvent grand, c'est le regard en fait qu'ils portent sur la biodiversité qui va me permettre à moi aussi d'interagir avec eux, de leur faire comprendre à quel point c'est important de la protéger. Et effectivement, très souvent, en fait, quand ils sont dans cet environnement-là, qu'ils voient des arbres magnifiques, des oiseaux chanter, etc., ils se disent, mais en fait, c'est trop bien, on est trop bien là, on se sent bien. Il faut protéger ça, parce que c'est beau, en fait, et ça nous apporte beaucoup de bien-être. T'as des anecdotes un peu rigolotes à nous raconter? Ouais, une fois, je me suis baladée, c'était avec l'école de la souris blanche, on a fait une journée à la forêt de Sans-Souci, et on est allé voir le roi des tamarins. et sur le chemin, c'était beaucoup de bruit, voilà, les enfants étaient très heureux, ils chantaient et tout, ils étaient bien, et puis voilà, dans cette période de Covid et de virus, c'est un peu compliqué, là, c'était un moment aussi de bien-être, où ils vont s'exprimer beaucoup, et donc ça parlait très fort dans la forêt, c'était très bruyant, et à un moment donné, j'avais imposé le silence, juste une ou deux minutes de silence, à un endroit particulier, et tout d'un coup, il y a un petit oiseau la Vierge qui s'est posé sur un arbre. Et en fait, les enfants, ils étaient là, oh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et comme ils ne pouvaient pas parler, ils avaient vraiment envie de s'exprimer, mais ils chuchotaient, il est trop beau, c'est magnifique, il est joli, c'est un petit oiseau, etc. Et puis ils montraient du doigt comme ça, mais en silence, toujours. Voilà. Exactement. Et je leur disais, vous voyez, quand on écoute la nature, en fait, on n'a pas besoin du coup d'aller chercher, c'est les oiseaux qui viennent vous voir et qui viennent vous rencontrer, mais il faut prendre le temps de se poser et de faire silence et d'écouter ce qui se passe et de regarder autour de nous ce qui se passe. Vous invitez des adultes ou même des parents et leurs enfants à venir de temps en temps vous rejoindre dans cette écoute de la nature? Alors là, dans ce cadre-là, effectivement, il y avait des parents d'élèves qui étaient venus aussi. Mmh. On ne fait pas de sorties spécifiquement avec les adultes, mais c'est vrai qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Mmh. C'est vrai que moi, je m'intéresse plutôt aux enfants parce que pour moi, ça part de là aussi, cette connexion. Moi, je viendrai avec mon fils. Voilà. Par exemple, c'est ton message finalement, écouter la nature. Oui, complètement. Ouais. Chers amis, écoutons la nature pour plus de biodiversité. Construisons ce monde où on vit libre, où il y a des animaux partout, de façon diverse, avec lesquels on peut vivre ensemble et vivre libre. D'accord, c'est un lion. À trois, on chante. 1, 2, 3,
vivre libre. Au-delà des sentiers battus.